On va démarrer tout doucement, commencer cette conférence. Bon, elle a un nom qui, on a pris le temps de l'améliorer, c'est crise du capitalisme aggravée par la pandémie. L'idée, c'est surtout de parler comment le rôle de la pandémie dans la crise du capitalisme hein, et est-ce que la crise actuelle, elle est juste liée à ça ou pas? Bon, comme chaque fois, on rencontre des thèmes à des universités d'été, on essaie de toucher une palette de sujets assez variés, avec un lien à la dette. Cette conférence, ça va être très axée sur une analyse aussi. Au départ économique de la crise actuelle du capitalisme. C'est aussi parce que c'est important d'avoir des espaces de débat, discussion, formation autour de ces questions-là qui sont parfois un peu compliquées à saisir et à discuter, à transmettre, etc. Une des raisons aussi pour laquelle c'est important pour nous de faire cette activité, c'est que depuis que la pandémie a commencé, il y a eu les quarantaines, etc., un peu partout dans plein de pays, l'activité économique s'est partiellement arrêtée et on commence déjà à sentir les conséquences avec une hausse du chômage, bon, la précarité qui explose un peu partout. C'est pas très gai tout ça, mais c'est comme ça. Et malgré une réalité qui est sociale, hein, qui commence à être déjà dramatique et qui parfois est un peu masquée aussi par l'urgence sanitaire qu'on vit aussi en même temps. Donc c'est aussi compliqué parfois de faire la part des choses, mais il y a quand même une situation sociale qui s'aggrave un peu partout. De la part de discours un peu dominants. Bon, les gouvernements, ils font pas trop une bonne mine là, par rapport à la situation, mais les grands médias néolibéraux, etc., ils disent, bon, c'est une crise liée aux effets de la pandémie, mais du moment où on arrive à relancer l'activité économique, on va aussi réussir à sortir de la crise. À l'occurrence, bon, Eric et moi, on lit beaucoup le Financial Times pour être un peu informé de ce que ces gens pensent aussi. Et typiquement, depuis le début de la pandémie, ils ont gardé un esprit relativement enfin, optimiste, dans le sens où ils disaient, bon, ça risque, on peut avoir une crise qui aurait une forme de V. Donc pour traduire un peu ça, c'est en gros où il y a une chute très brutale, mais aussi ça va remonter assez rapidement l'année prochaine. Et tout un tas d'institutions aussi sur un peu cette ligne de garder un espoir de que ça va se relancer l'activité, etc. Comme le FMI qui, bon, à nos yeux, a souvent des perspectives assez optimistes. Là, cette semaine, ils ont sorti leur dernier rapport de prévision qui sort tous les 3 mois. Et donc, ils disent, bon, la chute du PIB dans certains pays, enfin dans différents pays, elle va être un peu moindre que celle qu'ils avaient prévue au mois de juin, etc. Alors qu'on voit que dans tous les pays d'Europe, ça commence à reconfiner, etc. Et donc, qu'est-ce que ça sous-entend un peu cette lecture? C'est que c'est une crise qui est exclusivement liée à la pandémie, mais globalement, le système économique n'allait pas trop mal. C'est-à-dire qu'il ne pétait pas la forme, mais il n'était pas non plus très malade. Et donc, du moment où on arrive à résoudre cette situation de pandémie, et donc, ça se passe par relancer l'activité économique, et on ne sait pas encore, enfin, on sait, on voit quotidiennement, encore hier soir, le gouvernement fédéral a fait ses annonces, comment ils entendent relancer l'économie, quelles sont les priorités. Mais on ne sait pas ce qu'ils entendent globalement au FMI, si ce que ça veut dire juste le vaccin, ou en gros, où on fait un deuil sur une partie de la population et on essaie de relancer la machine, etc.
Alors, cette vision, elle risque aussi de masquer bah, plein de situations qui ne vont pas être réglées à long terme, comme bah, la restructuration productive qui a lieu de là dans plein d'endroits, la précarisation de tout un tas de secteurs, etc. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que c'est important qu'on ait une discussion là-dessus. C'est que depuis longtemps, depuis toujours, on défend une lecture bien différente de ces événements, cette situation, où nous, notre lecture est que il s'agit bien d'une crise systémique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une crise du fondement même du système capitaliste, qui était déjà en train de se préparer avant le début de la pandémie, bien que bon, la pandémie a un peu tout précipité. Je ne vais pas non plus faire l'intervention d'Eric qui va faire après, je suppose. Mais donc, pour résumer, c'est notre lecture, c'est que cette crise, typiquement, elle puise ses causes. Enfin, ses causes sont directement liées à la crise de 2010, qui à son tour sont liées aux crises précédentes, où il y a un rendement de moins en moins important et où le capital a de plus en plus de difficultés pour survivre. Enfin, pour être rentable, et donc il y a une concurrence accrue, mais aussi des crises. Et donc, l'idée, c'est du coup un peu axer la discussion autour de cette approche, cette lecture, comprendre la crise économique aujourd'hui au-delà de la question uniquement enfin, liée à la pandémie, bien qu'on traite les conséquences concrètes de la pandémie sur le système économique. Et aussi, un peu, sans être futurologue, mais un peu, quelle dynamique ça peut. Comment ça peut se passer à moyen terme. Donc, pour cette conférence, moi, je modère. On a Eric Toussaint, qui, bon, vous connaissez, mais c'est le fondateur du CAETM, porte-parole international du CAETM. Qui écrit régulièrement des articles d'analyse sur la situation économique mondiale et qui a aussi publié plusieurs livres, vous les avez au quatrième étage dans l'espace Lumière. Il y a aussi un stand avec des livres, des brochures, etc. Dont, parmi les plus connus, je pense, c'est Bankocratie, le système dette qui est paru il y a 2 ans et cette année. Capitulation entre adultes, qu'on va d'ailleurs présenter demain, enfin que lui va présenter demain. Et on a aussi Catherine Samary sur Zoom, qui parlera après Eric, qui est économiste spécialisée sur les Balkans, membre du comité scientifique d'ATTAC, militante du nouveau parti anticapitaliste en France et de la 4e internationale. Donc, l'idée, c'est que chacune de vous deux parle autour de 15-20 minutes et qu'après, ça nous laisse le temps d'une heure et quelques pour discuter. Ah, et aussi, très important, c'est pas forcément évident, mais donc aussi au quatrième étage, ça c'est important pour nous au CAETM, on a des fiches d'évaluation sur les rencontres. Donc, ça nous permet aussi de faire un bilan de comment ça s'est passé, mais aussi vis-à-vis de nos bailleurs de fonds, justifier un peu comment ça s'est passé, etc. Donc, je vous encourage aussi à faire un tour si déjà vous allez voir un peu les livres, peut-être une autre activité là-bas, aussi remplir les fiches d'évaluation si possible. Et donc, je pense que je te passe la parole tout de suite et je te chronométrerai gentiment. Allez, ça marche. Je OK. Fais ça. Bien. Rebonjour. Bonjour à ceux qui participent à distance et bonjour à ceux et celles qui sont dans la salle. Je voudrais parler de la crise multidimensionnelle du capitalisme. D'aborder d'abord la situation avant la pandémie du coronavirus, puis la situation avec et depuis la pandémie du coronavirus. Et terminer sur aussi les nouvelles caractéristiques de la crise de la dette, de la nouvelle crise de la dette qui a commencé. Alors, première partie,
la situation avant la pandémie du coronavirus et ses effets économiques absolument colossaux, catastrophiques. Bon, une première précision, il est clair que la pandémie du coronavirus, quelque part, change beaucoup de choses et que la crise économique actuelle est bien un effet fondamental de cette pandémie et donc lié au confinement, aux ruptures de chaînes de distribution, etc. Mais il n'en demeure pas moins que cette pandémie du coronavirus et ses effets économiques sont intervenus pas dans une situation qui était généralement bonne, comme beaucoup de commentateurs le prétendaient, et notamment les gouvernements, mais dans un contexte déjà d'une crise importante, une crise multidimensionnelle. Une crise écologique, c'est évident, pas besoin, je pense, de développer en multipliant les exemples pour indiquer que la crise écologique s'est très fortement accentuée et encore ne fût-ce qu'un mois avant que le confinement ne soit déclaré en Europe, on avait d'énormes feux en Australie avec des effets catastrophiques. On les a rapidement oubliés avec la pandémie et le fait qu'on ne parle que du Covid-19, mais il y avait donc une crise écologique majeure. Et pour le CADTM, nous situons ça dans ce qu'on appelle le capitalocène. Il y a une discussion là-dessus. Est-ce que c'est l'anthropocène ou le capitalocène ? L'anthropocène, ce serait, on utiliserait le mot anthropocène pour dire qu'on est dans une période de la vie de la planète Terre qui est largement déterminée par l'activité humaine en général, avec tous les effets négatifs, notamment de l'utilisation des combustibles d'origine fossile. Et ceux qui défendent, et c'est le cas du CADTM, le capitalocène, c'est de dire oui, c'est l'activité humaine, d'accord, mais dans le cadre du système capitaliste. Ce n'est pas l'humanité qui a décidé, en tant que telle, d'adopter le système capitaliste. Ça a été imposé, le capitalisme s'est imposé par la force au peuple, y compris au peuple du Nord, et ils en ont subi les effets, eux, tout de suite, avec des journées de travail interminables, des conditions de vie terribles, la perte du contrôle sur les outils de production. Et donc, bien que toute une série d'amis, de gens qu'on respecte, parlent d'anthropocène, ce qui est plutôt dans une vision majoritaire de la présentation du problème, nous sommes de ceux et de celles qui caractérisons ça comme le capitalocène, c'est-à-dire que cette crise écologique et notamment le changement climatique en cours est le produit de deux siècles de révolution industrielle, enfin deux siècles après la révolution industrielle, et on peut très bien mesurer la quantité de gaz à effet de serre émise dans l'atmosphère, produisant au bout du compte le changement climatique. Bon, on avait une crise, donc une crise écologique, une crise financière qui était difficile à percevoir pour, on va dire, la majorité des gens parce que cette crise financière, c'était plutôt une frénésie financière, une activité spéculative frénétique avec des cours boursiers très élevés, absolument pas en rapport avec la valeur réelle des entreprises cotées en bourse,
Et comme on dit, aussi des prix extrêmement élevés pour toute une série d'autres actifs financiers, dont des titres de dette, que ce soit des titres de dette d'entreprise privée ou des titres de dette publique. On avait les éléments d'une crise financière qui était réunie. Elle avait, bien sûr, on se souviendra de la crise de 2008 avec Lehman Brothers, mais il y a eu des éléments de crise qui sont produits fin 2018 à Wall Street d'une manière très importante et qui n'ont pas été fortement médiatisés. Et puis, à partir de septembre 2019 aussi, une forte crise financière sur le marché des repos, là aussi à Wall Street entre septembre et décembre 2019. Crise économique. La production diminuait en Allemagne, a commencé à diminuer en Allemagne à partir d'avril-mai 2019. La production a commencé à diminuer dans plusieurs branches de l'industrie américaine aussi à partir de ce moment-là, mais pas généralisée à toute l'économie américaine. Donc il y avait une récession économique qui avait commencé, qui touchait deux très grandes économies mondiales. Et si on n'avait pas eu le coronavirus, cette récession aurait pris une ampleur accentuée. Une crise commerciale lancée notamment par la guerre commerciale entre États-Unis et Chine, et donc avec à la clé des décisions du président Donald Trump, des réponses des Chinois qui produisaient une situation de guerre commerciale. Une crise politique aux États-Unis entre démocrates et républicains. En pleine année 2019, les démocrates ont essayé de destituer Donald Trump par une procédure d'impeachment. Une crise dans des institutions. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, était bloquée, liée à la guerre commerciale. Les États-Unis refusaient de désigner des juges dans l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, et du coup, l'Organisation mondiale du commerce était paralysée. Des éléments très importants. Mais il est clair que la pandémie du coronavirus a changé beaucoup de choses, a eu un effet catalyseur aussi, ou multiplicateur, de ces différents aspects de crise. De nouveau, on peut relier la crise sanitaire au système capitaliste, puisque c'est l'évolution dans les 30-40 dernières années du capitalisme avec une marchandisation beaucoup plus poussée de tout ce qui a à voir avec la nature, qui a produit, à partir d'il y a une trentaine d'années, des maladies avec contamination, on va dire, contagion de notamment d'animaux sauvages vers les êtres humains. Et la manière dont le capitalisme globalisé a fonctionné a fait que la vitesse d'expansion de cette maladie du coronavirus a été absolument énorme en termes de passage d'un continent à l'autre, de la Chine vers l'Europe, de l'Europe vers les États-Unis et puis vers les autres continents. Si vous regardez dans l'histoire, par exemple, le rythme d'expansion et de contagion de la peste dans des périodes précédentes, ben on a bien des déplacements de la maladie et des effets de contagion, mais évidemment à un tout autre
un tout autre rythme. Ici, ça a été un rythme extrêmement accéléré. Et ça a amené une situation d'incapacité des gouvernements de répondre à la crise sanitaire, parce que les moyens de combattre ce type de maladie qui aurait pu être produit par nos sociétés, ces moyens n'ont pas été produits. Il aurait fallu mettre des moyens publics dans la recherche pour produire des vaccins par rapport au type de maladie SARS ou du type Ebola, et toute une série de chercheurs demandaient des moyens financiers. Ils avaient calculé, des chercheurs publics dans le domaine public avaient calculé qu'avec une somme de 200 millions, il était possible de produire un vaccin. Je parle des demandes de scientifiques il y a déjà maintenant une dizaine d'années face aux premières formes de ce type de maladie. Et les gouvernements ont décidé que c'était le Big Pharma, les grandes entreprises pharmaceutiques privées, qui trouveraient les solutions et qui n'avaient pas besoin d'investir de l'argent public là-dedans. Et effectivement, on s'en est remis aux grandes sociétés pharmaceutiques et celles-ci n'ont pas vu de rentabilité dans la recherche d'un vaccin. Pourquoi investir 50 millions, 100 millions, 200 millions pour une entreprise privée? D'abord, elles se concurrencent les unes les autres, et donc c'est des sommes absolument considérables, sans être sûr que ça va être rentable. Et donc, elles ont préféré développer leurs recherches dans d'autres domaines beaucoup plus rentables, comme production de médicaments. Et en conséquence, on a été complètement incapable de répondre. Et le vaccin, on vient d'apprendre aujourd'hui que la firme pharmaceutique Pfizer, si vous voulez, annonçait que d'ici la fin de l'année, elle pensait mettre sur le marché un vaccin. Les Chinois sont en train d'appliquer aussi leur type de vaccin. Les Russes en ont un aussi. Mais on n'est pas encore sûr que ça va fonctionner. Ils n'ont pas été testés en respectant toutes les étapes du protocole, et donc on ne sait pas ce que ça va donner exactement. Donc une crise sanitaire majeure qui a provoqué une réaction alors très forte de confinement en Chine, autour de Wuhan, et puis en Italie, et puis dans différents pays européens, puis aux États-Unis et ailleurs. Et ça a produit des ruptures dans la chaîne de distribution, d'autant que la Chine est l'atelier du monde et que ses exportations de produits manufacturés touchent l'ensemble de l'économie mondiale et que toute une série de productions ont été abandonnées sur le continent américain ou européen parce qu'on s'approvisionne auprès de l'atelier chinois où le coût de la main-d'œuvre est inférieur. Et ce sont d'ailleurs généralement des grandes firmes multinationales américaines ou européennes qui font produire en Chine ces produits-là. Ce n'est pas que des entreprises chinoises, c'est une majorité d'entreprises multinationales occidentales qui font produire en Chine. Et donc, il y a eu rupture dans les chaînes de production, de distribution, d'approvisionnement, confinement avec donc arrêt de la production et diminution de la consommation, et donc maintenant une crise absolument majeure avec une chute du produit intérieur brut sur l'année qui sera de l'ordre de, au minimum, Mats a parlé de 10% de chiffre qu'on donne, mais on n'est pas à ce stade-ci, c'est difficile de faire exactement des pronostics sur ce qui se passera d'ici le 31 décembre parce que la deuxième vague a une telle force, la deuxième vague du coronavirus, que les pronostics au cours de 10% maintenant semblent trop optimistes et qu'on ira plutôt vers
une chute plus importante. On verra. Alors, la réponse dans cette crise sanitaire majeure, plus d'un million de décès et une deuxième vague très importante touchant toute une série de pays clés. Cette crise a amené un autre type de réponse en dehors de la réponse confinement, une réponse au niveau des grandes banques centrales. Là, c'est une différence très importante par rapport aux années 1930 et même par rapport à 2008, 2009, 2010. Les grandes banques centrales, donc la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, ont réagi massivement, ont injecté des quantités absolument phénoménales, jamais vues, inédites, de liquidités dans les marchés financiers via les banques qui les ont recyclées. Donc, c'est arrivé aux mains des autres acteurs, c'est passé par les mains des autres acteurs des marchés financiers. La crise boursière qui avait été d'une violence extrême entre le 17 février, avant le confinement, et le 15 mars, 40% de baisse des marchés boursiers tout autour de la planète, sauf en Chine. Cette crise boursière a été totalement récupérée. Si vous voulez, là, c'est reparti en V. Les marchés boursiers sont aujourd'hui généralement à entre 5% et 8 ou 9% en dessous de leur niveau du début de l'année, alors qu'ils avaient chuté de 40%. Donc, ils ont fortement remonté. Et ça, c'est le résultat de l'action des banques centrales. Mais pour le citoyen lambda, les marchés boursiers, en quoi ça les importe dans leur vie quotidienne? Par contre, pour les grands actionnaires qui dépendent de la cotation des actions en bourse et qui auraient eu des pertes très importantes si les 40% de diminution s'étaient prolongées, l'action des banques centrales aura été très utile pour eux. L'action de ces mêmes banques centrales pour l'économie réelle n'est pas du tout évident. La relance de l'économie réelle n'est pas du tout évidente. Alors aussi, comme lors d'autres crises, on a entendu des discours qui ont fait penser pour ceux... Oui, je vais te demander une petite rallonge. Je ne sais pas si vous vous souvenez de discours de Nicolas Sarkozy en 2008. Ça vous dit quelque chose? En 2008, il avait dit « c'est fini ce capitalisme avec ses exagérations ». C'était notamment un discours prononcé à Toulon. Bien, on a eu Macron disant cette fois-ci que la santé ne pouvait plus être une affaire du marché. Et donc, certains ont pu penser que, ben oui, ce ne serait plus une affaire du marché. Donc, qu'on allait réquisitionner des grands laboratoires pharmaceutiques privés, qu'on allait réunir les efforts, qu'on allait relancer des entreprises qui avaient fermé, comme quoi, Luxfer, je crois que ça s'appelle, qui produit des bonbonnes à oxygène dont on a absolument besoin dans les hôpitaux. Mais non, on n'a pas relancé Luxfer dont les propriétaires américains, c'est une usine en France, mais les propriétaires américains n'avaient absolument pas envie de relancer la production malgré la crise du coronavirus. On n'a pas réquisitionné des entreprises pour produire des appareils de respiration, etc. On a eu, comme en 2008, des discours critiques du laisser-faire du capitalisme, mais si on regarde bien, on n'a absolument pas eu d'intervention forte
des pouvoirs publics pour faire face à la crise. Et d'ailleurs, je pense que c'est manifeste, je ne sais pas ce qu'en pense Catherine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne pense pas qu'ils étaient réellement préparés à l'ampleur de cette deuxième vague. Parce que s'ils avaient imaginé que la deuxième vague allait prendre une telle importance, ils seraient quand même dit que l'une ou l'autre petite mesure d'intervention des pouvoirs publics de manière un peu dirigiste dans l'économie aurait permis d'avoir un bilan un peu meilleur. Parce que quand même, il y a un certain prix politique pour eux. Et ce n'est pas qu'ils sont épris d'humanité, c'est plutôt que si ça se passe mal, la deuxième vague, et qu'on risque de leur mettre sur le dos la responsabilité des effets de la deuxième vague, ils peuvent le payer aux élections suivantes. C'est quand même largement ça qui les motive, malheureusement. Donc là, il y a eu une discussion autour de ce que je viens de dire sur est-ce qu'il y a un retour au keynésianisme. Alors, je ne sais pas si pour chacun et chacune ici dans la salle, ça veut dire quelque chose de clair, le keynésianisme. Le keynésianisme, en quelques mots, c'est une politique de sortie de crise liée à une école de pensée, celle de John Maynard Keynes, économiste de la première moitié du XXe siècle, économiste britannique. C'était un économiste, mais aussi il intervenait dans le débat politique. Il a quitté avec éclat la table des négociations du traité de Versailles et il a polémiqué contre les gouvernements, on va dire, néolibéraux ou ultra-conservateurs de la fin des années 20 et du début des années 30 en Grande-Bretagne et dans les autres pays d'Europe. Et il a avancé une autre explication de la crise économique capitaliste. Il a expliqué que pour relancer l'économie capitaliste, il faut augmenter fortement les dépenses publiques. Ça, cet élément-là, fait dire à certains que puisqu'on est en train d'augmenter les dépenses publiques et puisque en Europe, on fait sauter les règles concernant le déficit public et le pourcentage autorisé de dette publique, eh bien, toute une série de personnes en concluent directement, c'est un retour au keynésianisme. Là, il y a sujet à débat, mais pour moi, le keynésianisme est plus que ça, est plus qu'une augmentation des dépenses publiques. Parce que, bon, je vais faire une comparaison, je veux dire, sous Hitler, on a relancé très fortement la dépense publique. Sous Franco aussi. Et ce n'était pas pour autant du keynésianisme, parce qu'il y a d'autres éléments dans le keynésianisme historique des années 30 et de la Seconde Guerre mondiale. Il y a, dans certains domaines, un rôle beaucoup plus actif économiquement de l'État. Dans certains cas, ça a impliqué des nationalisations, et c'est le cas en France, en Italie, en Grande-Bretagne, c'est moins le cas aux États-Unis. Ça a impliqué des concessions très importantes aux classes populaires, des droits syndicaux, par exemple. Roosevelt, aux États-Unis, a dans une situation où la classe ouvrière était en lutte aux États-Unis avec des occupations d'usines Ford et General Motors, par exemple. Il a défendu les droits des syndicats à recruter, à se renforcer, à devenir un acteur dans le dialogue avec les patrons pour améliorer considérablement les conditions de travail des travailleurs. Il a, sous Roosevelt et après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'augmentation très forte de la progressivité de l'impôt sur les couches supérieures de revenus. Sous Roosevelt, on a atteint, sur les tranches supérieures de revenus, un taux d'imposition de 90%. Tenez-vous bien, on en est maintenant absolument pas à ce type de niveau
d'imposition. Donc, ce sont des éléments extrêmement importants. Et alors, une réglementation bancaire extrêmement forte. Roosevelt et les gouvernements à la suite, dans le cadre de politique keynésienne, ont séparé les banques d'affaires des banques de dépôt. Bien, si vous prenez une liste, la liste que je viens de faire des politiques liées au keynésianisme, et que vous regardez ce qui est en train d'être fait depuis 6 mois ou 8 mois, depuis le début de la pandémie, on n'en est vraiment pas au retour du keynésianisme. En pratique, qu'une série d'économistes disent que finalement, en revenir à ça serait peut-être une bonne chose, je ne l'exclus pas, mais entre cette réflexion-là et la pratique réelle des gouvernements actuels, il y a une distance extrêmement importante. Alors, il y a aussi un débat, il y a un ami d'ailleurs qui est membre de Recommon, Cédric Durand, qui écrit un article intéressant et qui s'appelle « La mort du néolibéralisme ». Je crois qu'il a appelé ça « la seconde mort du néolibéralisme ». Et alors, si on lit bien l'article, il a raison, c'est un bon article et sa thèse est juste. Il explique en fait, donc si vous voulez, le titre est trompeur, ça peut vous annoncer des lendemains qui chantent, ce n'est pas ça qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est les fondements idéologiques du néolibéralisme ont disparu maintenant. C'est-à-dire l'idée selon laquelle un fondement très important des politiques néolibérales, c'est de dire justement, laissons faire le jeu libre des forces du marché, ça va résoudre fondamentalement les problèmes. Et donc, c'est Eric Durand dit, vous voyez bien ce que ça donne avec cette crise sanitaire. Vous laissez jouer librement les forces du marché et les entreprises pharmaceutiques ne produisent pas les vaccins dont on a besoin, pas les appareils dont on a besoin, et l'économie va à volo. Et donc, c'est clair que ceux qui disaient le moins d'État possible et le plus de liberté possible pour l'initiative des grandes entreprises privées va améliorer la situation, ils n'ont plus de fondement d'argument dans un débat public, ils ne peuvent plus tenir le coup. Bon, donc oui, il y a mort de la justification idéologique du néolibéralisme, mais ça ne veut pas dire que les gouvernements vont abandonner les politiques néolibérales et appliquer, en revenir au type de politique de la période où le keynésianisme a été mis en application, donc dans la deuxième moitié des années 30, enfin à partir de 1933 aux États-Unis, et surtout après la Seconde Guerre mondiale en Europe jusque dans les années, fin des années 1970, début des années 1980. Alors la dernière chose que je voulais dire, mais je le laisserai pour la discussion. Je voudrais un peu expliquer la nouvelle crise de la dette qui est en train de se produire, qui touche, là je parle de crise dans la mesure où il y a maintenant une vingtaine de pays, et non des moindres, qui sont en suspension de paiement. Ce n'est pas des petites économies que la suspension de paiement de la part de l'Argentine ou la suspension de paiement de la part du Venezuela. C'est déjà des économies beaucoup plus restreintes que celles de l'Équateur et de plusieurs économies africaines. Mais donc, on se rapproche d'une situation du type du début des années 80, et j'expliquerai tout à l'heure dans la discussion ce qu'il y a de similaire et ce qu'il y a de différent entre la crise du début des années 80 et la crise actuelle, celle qui est en train de commencer et dont on va voir des développements importants dans les mois qui viennent. Bon, merci beaucoup pour votre attention à distance et ici dans la salle. Super. Merci Eric, c'était très complet. Donc on va passer à l'intervention de Catherine Samary,
Si on peut. Ah oui, on la voit là. Et d'ailleurs, dans sa présentation, j'ai oublié de dire que vous pouvez aussi consulter son site. C'est csamarie, c'est la lettre c, csamarie.fr. Et donc, je te passe la parole directement, Catherine. Et pareil, pour 20 minutes, tu as le droit de dépasser un peu, vu qu'Eric aussi l'a un peu dépassé. D'accord, bonjour, bonjour tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation et chapeau pour l'activité, le travail du CADTM. J'espère que techniquement ça va bien marcher, y compris pour le micro, on va voir. Alors je voulais intervenir en trois points. Je voulais souligner d'abord comme remarque liminaire que on est confronté à une crise sans précédent historique à cause du contexte dans lequel elle surgit et que Eric a très bien rappelé, mais aussi à cause de sa spécificité. Et donc, on a besoin, évidemment, et on aura besoin du recul pour bien percevoir et mener à fond l'analyse de tous ces effets. Je voulais, dans les trois points, donc revenir sur le débat crise, l'articulation entre crise capitaliste et crise Covid, en quelque sorte. Deuxièmement, les effets et où on en est. Et troisièmement, plutôt entamer la discussion sur la recherche d'alternatives autonomes et d'intervention dans ce contexte. Alors, sur le premier point, je dois d'abord dire évidemment que je partage totalement la critique que Eric Toussaint a faite, rappelée aussi par Mats en introduction, d'un point de vue que, évidemment, ni lui, ni moi, ni personne ici ne peut partager, c'est-à-dire l'idée d'une crise qui surviendrait dans un ciel serein, en quelque sorte, sur un système qui, malgré quelques problèmes, en gros, irait bien. Donc, j'écarte cette discussion-là. Mais je pense que le débat n'est pas un débat à deux dimensions, entre cette approche-là et puis une deuxième approche qui a été un peu la formulation d'Eric, mais qui l'a en même temps nuancée. Et sur lequel il peut y avoir une évolution de l'interprétation, c'est-à-dire en rejet de l'idée que c'est une crise Covid, entre guillemets, purement exogène au capitalisme, en quelque sorte. Et il y a l'idée que la crise du capitalisme tout entière, telle qu'elle se manifeste aujourd'hui, est-elle là, qu'elle est seulement, en quelque sorte, catalysée et aggravée. C'est un petit peu la formulation qu'a pu avoir Eric. Et je trouve que je proposerais, mais c'est un débat à l'intérieur d'un accord fondamental, je dirais, sur la vision d'ensemble. Je me retrouve mieux dans une formulation qui a été exprimée, y compris par écrit, que vous pouvez retrouver sur le site à l'encontre, à l'encontre en un seul mot, le site suisse, qui a été exprimé par l'économiste Chénet, Patrick Chénet, et qui s'exprime de la façon suivante, qui dit, si vous voulez, qu'il faut avoir une approche duale de cette crise. Et le titre de son article est « Originalité absolue de la crise sanitaire ». Et dans cette crise duale, donc deux aspects. Le premier, il le formule ainsi, je trouve que c'est assez parlant, une dimension, des dimensions endogènes aux relations entre les sociétés humaines et la nature dans un cadre capitaliste, ce qui est une formulation très riche, qui rejoint évidemment tout ce que Eric Toussaint a pu évoquer, notamment dans les parties concernant de son exposé, de son introduction concernant la dimension Covid de la crise, où il soulignait qu'elle s'inscrivait dans non seulement l'anthropocène, mais plus précisément dans le capitalocène. Et donc je ne développe pas ce point-là.
Et il a donné quelques éléments, mais ceci me paraît très, évidemment très important contre toute interprétation extérieure au capitalisme, y compris de la dimension d'expansion de la pandémie et même des origines de la pandémie, qui est très profondément imbriquée dans des caractéristiques de la transformation capitaliste mondiale, y compris les interdépendances, les transports, la destruction évidemment des forêts, etc. Tout ce qui permet d'analyser le capitalo-scène et une crise même provoquée par un virus, mais qui a des traits endogènes capitalistes profonds. Mais deuxièmement, sous l'angle, et donc je reprends la formulation j'ai dit Patrick, c'est François Chesnais, bien sûr, mais en tant que crise économique, il y a un choc exogène par rapport au mouvement intrinsèque et organique de l'accumulation du capital, tel que ça s'est manifesté par exemple dans la crise de 2008, ou même dans la crise de l'entre-deux-guerres. Et par conséquent, il y a un élément extérieur, exogène, par rapport aux contradictions classiques des crises capitalistes et de ce que exprimait la crise de 2008, ce qui ne signifie pas que ça les supprime. Donc il y a un élément évidemment à la fois d'aggravation, d'approfondissement, d'aspect qui était là avant la crise Covid, qui a rappelé Eric, mais il y a des dimensions nouvelles. Et évidemment des interrogations qui ne relèvent pas de l'analyse classique marxiste et enrichie de ce que peuvent être les contradictions financières, économiques, y compris par rapport à l'environnement, du capitalisme et de son accumulation par rapport aux critères de profit. C'est-à-dire qu'il y a un autre critère éminemment contradictoire avec la logique du profit, qui est celle de la santé ou du virus non maîtrisé. Les dimensions médicales qui pèsent sur la pandémie et qui évidemment s'articulent avec ce que sont les réponses politico-économiques des différents gouvernements face à cet enjeu médical et de santé, qui ne sont pas les mêmes, même si ce sont des gouvernements capitalistes d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Ce n'est pas les mêmes en Chine que dans l'Union européenne et les États-Unis. Et à l'intérieur de l'Union européenne, on a également des différences pays par pays à voir. Bon. D'où d'énormes incertitudes qui combinent des traits contradictoires. Alors, je prends mon deuxième point pour donner quelques éléments de jugement sur la situation actuelle qui combinent des aspects de ces deux sources, en quelque sorte, de crise. Bon. Alors, d'une part, par rapport à la question soulevée à la fin, y compris de l'intervention d'Éric, et qui sont des questions très importantes, très intéressantes, est-ce que c'est la fin, y compris du néolibéralisme, etc. Je trouve que la formulation proposée par Éric en reprenant l'article de Cédric Durand me paraît très, très intéressante et pertinente, mais même on peut même être aller plus dans un sens pessimiste sur le fait que, pour reprendre une formulation qui a été utilisée en 2008, la crise, avec toutes ses dimensions, est utilisée par le capitalisme réellement existant, les capitalistes et les pouvoirs qui les défendent, comme opportunité pour les logiques classiques du capitalisme, y compris néolibérale et non pas keynésienne, c'est-à-dire avec l'accent, comme on l'a souvent rappelé dans les débats actuels, sur une politique de l'offre et non pas de la demande, de l'offre, c'est-à-dire une politique qui met l'accent sur des avantages fiscaux, notamment au capital,
aux investisseurs supposés, aux riches, parce qu'ils sont supposés investir, et permettre, comme me dirait Macron, les ruissellements ensuite sur toute l'économie. C'est une logique de l'offre, c'est-à-dire qui favorise le patronat, qui favorise les riches du point de vue fiscal, et qui en plus est utilisée, même y compris quand il y a des aides aux entreprises, qui est utilisée pour mettre en œuvre des projets de licenciement, de restructuration, obéissant à une logique totalement classique de maximisation du profit et de délocalisation pour maximiser les profits et les avantages fiscaux, tels qu'ils se préparaient avant la crise Covid et qui avaient du mal à se réaliser, y compris à cause de résistance sociale éventuellement et politique, bon, mais qui vont utiliser, y compris les aides qui leur ont été apportées, pour continuer et mettre en œuvre ce genre de politique avec un discours crise, entre guillemets, hypocrite, scandaleux, du type « nous sommes tous dans le même bateau, il faut se serrer les coudes, l'entreprise c'est un tout, donc il faut… » Et au travers de ça, il y aura une logique, y compris… Que ce soit dans le travail qui va s'accélérer, comme on le sait, c'est un des effets de la crise, le travail à distance, Internet, etc., ou que ce soit le travail en présentiel, comme on dit maintenant, un contrôle patronal accru, et, y compris sur l'utilisation de son ordinateur à chez soi. Bon. Donc, les pressions sur une. Les pressions classiquement capitalistes et patronales sur le contrôle des salariés pour augmenter la compétitivité, pour aussi se serrer la ceinture en ce qui concerne les salaires, comme ça a été la logique, y compris des politiques en Allemagne, dans l'ensemble du monde capitaliste, avant la Covid, c'est-à-dire des contractions salariales pour maintenir des emplois qui sont en même temps précarisés. Je dois dire aussi un cynisme dans les aides sélectives en ce qui concerne les dimensions sociales et écologiques. La Tribune vient de publier le 16 octobre un article d'analyse des plans de relance en France en soulignant le rôle de l'État actionnaire et de sa politique de renforcement des fonds propres dans les entreprises où l'État est actionnaire en France, et donc les politiques dites de relance, avec en fait une logique, comme je l'ai dit, plutôt de l'offre. Mais la Tribune distingue deux types d'entreprises qui seront bénéficiaires des aides. Et je cite la Tribune, celles dont le modèle est remis en cause avec la crise Covid, c'est-à-dire est profondément affecté par cette crise, et notamment c'est les transports aériens. Et deuxièmement, la Tribune, celles qui sont touchées par la crise, mais dont le modèle n'est pas remis en cause, disent-ils. Et qu'est-ce qu'ils donnent comme exemple? Je vous le donne en mille, l'automobile. Bon, cela veut dire que, en fait, les dimensions profondément écologiques qu'il y a derrière l'analyse de ce que sont les transports à l'échelle internationale et nationale n'est évidemment pas prise en compte, de même que d'ailleurs, et c'est une des discussions qu'il y a derrière la campagne proposée sur la taxe Covid, mais aussi en général en France et ailleurs, des questionnements qui sont posés par les syndicats et les mouvements contestataires sur l'aide apportée aux entreprises, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des conditionnements, quelles conditions? Et donc, il y a eu des questions sur est-ce que vous allez donner de l'aide à des entreprises qui licencient, et de la même façon, est-ce que vous allez donner de l'aide à des entreprises qui échappent, d'une part, à la fiscalité et qui vont se réfugier dans des paradis fiscaux, et des entreprises qui ne respectent pas des critères environnementaux? Et la réponse est oui, bien sûr qu'ils vont donner de l'aide à ces entreprises-là. Et c'est un des débats et un des enjeux fondamentaux. Mais donc, ça n'est pas la fin des politiques, non seulement classiques capitalistes, mais
y compris classiques du néolibéralisme, même si elles sont contestées et donc en crise, sous cet angle. Mais en même temps, alors, entre parenthèses, ça n'est pas pour autant, je pense, et Eric a raison, un retour au keynésianisme. Je souligne juste un point, on verra pour la discussion, mais qui est une énorme différence avec la crise des années 30 et de l'endemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est le rapport des forces politico-sociales dans le cadre d'un monde qui était à l'époque, comme on dit, bipolaire, avec une contestation interne et externe, quelles que soient les contradictions propres, les limites et nos critiques au monde se réclamant du socialisme, bien sûr, c'était une vraie contestation. Il y avait la chasse au communisme interne et externe et un rapport de force politique et syndicale, sociale, de contestation qui était porté explicitement par Keynes, qui disait que si on ne veut pas que le capitalisme disparaisse avec la logique marxiste et communiste derrière cette disparition, alors il fallait qu'ils se réforment et qu'ils prennent en compte les pressions sociales pour l'augmentation des salaires. Alors en plus, il y avait l'analyse théorique keynésienne, antilibérale, sur le rôle des relances économiques, même d'un point de vue capitaliste, du soutien des salaires, qui n'est pas du tout la logique actuelle dite de l'offre, mais donc une logique de la demande, qui n'est pas une logique socialiste, mais une logique keynésienne. Donc, on n'en est pas du tout là. Mais en même temps, donc, il y a dans la crise, et comme effet des aspects contradictoires soulignés de cette crise, une montée profonde, massive, à une échelle sans précédent, pas simplement de milieux politiques ou d'économistes marginaux, mais une défiance sur les politiques dominantes, alors inégales selon les pays, et sur les critères, et on va y revenir dans le troisième point, sur comment s'en emparer, bien sûr, mais aussi... je veux souligner d'abord des effets spécifiques en cours quand même sur le plan économique et des transformations du système par rapport à la situation y compris héritée de 2008, hein, donc pas par rapport à un capitalisme qui marche bien. Bon, d'une part, alors Eric a soulevé cet aspect-là, mais je pense que c'est un point sur lequel il faudra une réflexion approfondie et de plus long terme, les transformations du rôle de l'État et des banques centrales dans une nouvelle phase du capitalisme. Sous cet angle-là, l'article de Cédric Durand par rapport aux différentes phases, disons, de la transformation capitaliste après 80, les années 80, bon, là, il y a un infléchissement, plus qu'un infléchissement majeur, central, parce qu'il y a un risque de système, même si ce risque ne vient pas du mouvement communiste. Et donc, il y a un risque de système qui implique la nécessité d'une intervention qui est d'une échelle colossale, sans précédent, des banques centrales. Deuxièmement, dans la géopolitique capitaliste, il y a des transformations en cours qu'on n'est pas encore en mesure de pleinement mesurer. Premièrement, la Chine. Alors, l'affaire de la reprise en V, là, la Chine, elle est pour l'instant en train de l'illustrer. Mais justement, pourquoi reprise en V en Chine? Non pas, malheureusement, parce qu'elle serait socialiste, mais parce qu'elle a conservé dans son type de capitalisme extrêmement bureaucratique, étatiste et répressif, des éléments majeurs de capacité d'intervention de l'État, à la fois sous l'angle du contrôle, avec toutes les dimensions répressives que cela implique, mais aussi sous l'angle du contrôle de la pandémie et de la planification de décisions rapides. L'article de François Chesnais les évoque d'une façon que moi je ne connaissais pas complètement, donc qui sont extrêmement intéressantes à analyser, on le sait déjà, mais quand vous avez 14 millions de personnes qui sont confinées pendant des semaines chez elles, comment est-ce qu'elles peuvent manger, se nourrir, etc. Bien, ils ont mobilisé des centaines de milliers de gens organisés sur les quartiers, non pas comme des comités populaires socialistes, mais quand même,
donc provenant des zones non affectées par la pandémie pour assurer l'aide aux populations. Sinon, elles auraient crevé sur place. Deuxièmement, ils ont mobilisé 12 000 travailleurs pour confectionner de façon ultra rapide des hôpitaux militaires, etc. Et troisièmement, ils ont organisé, ils ont évalué les manques de produits, les manques de produits médicaux, les manques d'appareils, etc. Et ils ont organisé la réquisition directe des entreprises dont ils avaient le contrôle en tant que propriétaires étatistes pour qu'elles produisent ce dont l'économie avait besoin. Et du coup, ils ont une capacité de relance de leur économie que n'ont pas les économies capitalistes du reste du monde. Bon, donc ça, c'est la première question, avec une interrogation politique évidemment majeure, c'est les capacités de résistance interne à cette société chinoise par rapport aux dimensions répressives du système, hein, y compris dans la crise Covid, par rapport le scandale du médecin qui avait initialement dénoncé cette crise, etc. Bon. Donc les éléments de crise interne, bon ça. Mais sinon, qu'est-ce que ça va provoquer au moment où se creusent donc les écarts, et risquent de se creuser les écarts entre, du point de vue interne au capitalisme, hein, intercapitaliste donc, entre la Chine et les États-Unis qui au contraire s'enfoncent dans toutes les dimensions de la crise, et l'Union européenne qui est également extrêmement fragile et en crise. Bon. Deuxième aspect qui se modifie, Eric a évoqué le problème des chaînes de valeur, mais il va y avoir des modifications et des relocalisations partielles dont on ne mesure pas encore complètement où elles seront. Mais il y a toute une série de thématiques sur la souveraineté alimentaire et la souveraineté sanitaire qui, à certains niveaux, vont jouer contre une logique de pur et simple profit, qui était celle de la délocalisation antérieure à la crise. Bon. Troisième aspect que je ne peux pas développer, sur lequel il y a eu des articles aussi intéressants, c'est l'analyse d'un approfondissement de la crise énergétique, et notamment du pétrole et des recompositions géostratégiques sur ce plan-là. Bon. Enfin, il y a des éléments de pression politique qui ne sont pas du niveau de mise en danger, je dirais, du capitalisme que pouvait représenter la peur du communisme interne-externe, si l'on veut, des années 60, 70 et de la chasse aux sorcières de l'époque, y compris des assassinats dans le tiers-monde et des interventions massives de répression politique des mouvements subversifs liés à la tricontinentale à l'époque. Bon, tout ça n'existe pas ou n'existe plus encore, donc est à reconstruire comme rapport de force. Mais il y a néanmoins, au niveau des populations, de la jeunesse, des populations travailleuses et celles qui sont les populations du Sud dans le Nord, c'est les plus précarisées, racialisées, etc., et qui prennent de plein fouet toutes les inégalités face à la santé, face à la Covid et face à la crise. Bon, des pressions, et des pressions politiques et morales. Alors, ces pressions ont en partie des effets, pour des raisons politiques, sur des pouvoirs. Alors, sur le vaccin, par exemple, c'est à la fois le chacun pour soi, avec la logique capitaliste et les profits qui se préparent, mais c'est aussi des pressions en faveur, y compris venant de l'Organisation mondiale de la santé et reprises par l'Union européenne, pour qu'il y ait effectivement une mutualisation, en quelque sorte, des vaccins, tant dans leur production que dans leur distribution. Bon, ça n'est pas la logique capitaliste antérieure. Bon. Et dernier point sur lequel faudra qu'il y ait une discussion, j'évoquais l'Union européenne par rapport aux vaccins.
Je ne crois pas du tout que pour l'instant on ait un changement de la logique. Et il y a une interview que Éric Toussaint a faite récemment de Miguel Urban sur justement la campagne européenne sur une taxe Covid et l'appréciation de l'Union européenne, dans lequel Miguel dit à juste titre que il parle de la nudité. De la nudité de l'Union, du néolibéralisme de l'Union européenne face à la Covid. Bon, c'est un scandale sur, évidemment, où se mêlent tous les scandales antérieurs par rapport au traitement des réfugiés, tous les scandales antérieurs sur la destruction des services publics et de la santé, tous les scandales antérieurs sur les inégalités sociales et la pauvreté, etc. Mais, et il y a effectivement alors des mesures qui sont supposées conjoncturelles, mais des conjonctures qui ont l'air de se profiler pour quelque chose qui est plus que du strict court terme. La levée des pactes antérieurs et des critères sur l'endettement, ce n'est pas une mince affaire. Donc, toute la question est de transformer cette levée en une véritable remise en cause et critique explicite des traités et du fonctionnement de l'Union européenne. Mais il y a véritablement là des enjeux qui me font en arriver à la question aussi de la fiscalité européenne. Derrière la taxe Covid, la question est soulevée, mais on a vu aussi, donc par rapport, y compris aux GAFAM, aux grandes entreprises et aux paradis fiscaux, aux grandes entreprises qui échappent à la fiscalité et aux paradis fiscaux, bon, un début de prise de position émanant de la Commission européenne, parce que c'est son intérêt, parce que c'est l'intérêt de l'Union européenne capitaliste, hein, donc que d'essayer d'avoir des ressources supplémentaires par rapport à la crise. Et donc un début de discussion sur l'augmentation d'une véritable fiscalité européenne et qui pourrait alimenter un budget un petit peu plus substantiel, avec d'autre part, et je terminerai cette partie-là pour aborder ma conclusion, donc un début de discussion qui dépasse la sphère des courants, comme je le disais tout à l'heure, marginaux, sur la question du rôle de la Banque centrale européenne et de l'annulation des dettes de la Banque centrale européenne, avec des arguments donc tout à fait substantiels sur le fait que, par rapport aux discours qui disent cette dette est insupportable, il faudra se serrer la ceinture, etc., qui disent il ne faut pas confondre les dettes privées et même les dettes des banques de second rang et les dettes de la Banque centrale européenne, qui pourraient être transformées effectivement en dettes permanentes ou annulées. Donc, je termine pour ouvrir la discussion aussi sur nous, en quelque sorte, au sens très très large, donc des mouvements altermondialistes, de tous ceux qui, organisés politiquement, syndicalement, socialement, donc à l'échelle internationale, ne veulent plus du monde d'avant. Bon, et disent, et ça c'est l'argument, le texte central, le thème central qui était dans la conférence organisée notamment par le CADTM il y a quelques jours, sur Passons à l'action avec d'autres forces, et notamment donc la campagne sur les plateformes européennes et sur la taxe Covid. Donc passons à l'action avec un premier mot d'ordre central: qui doit payer la crise, évidemment. Et avec le refus d'une répétition du scénario post-2008, c'est-à-dire la crise comme opportunité pour relancer les politiques classiques de contraction des salaires, de flexibilité, de précarité, de non-respect des règles écologiques et sociales,
de transformation du code du travail un peu partout, comme c'est le cas en France et ailleurs. Donc, le « nous », c'est ceux qui refusent ça. Et ça, ce n'est pas un débat en chambre, un débat intellectuel ou un débat entre économistes sur keynésianisme, néolibéralisme, etc. C'est une question de rapport de force. Et c'est pourquoi la campagne notamment menée par le CADTM pour qu'il y ait une véritable coalition qui reprenne donc tous les mots d'ordre d'annulation des dettes illégitimes à une échelle concertée et commune internationale pour peser est très importante pour éviter effectivement sur la dette comme sur la fiscalité des petites mesures qui en fait sont supposées changer les choses pour ne rien changer de fondamental, c'est-à-dire d'assouplissement ou de réorganisation. Eric en parlera dans la discussion. Réorganisation, rééchelonnement de la dette, mais qui ne remet pas en cause les fondements illégitimes de la dette. Bon, mais de la même façon, sur les entreprises qui font des profits et qui reçoivent des aides, je trouve que la campagne d'audit sur les dettes rejoint la logique de toutes les campagnes historiques que le mouvement ouvrier a pu mener dans le passé et qui doivent être reprises sur un contrôle. Alors, on disait à l'époque contrôle ouvrier sur les comptes des entreprises. On peut aujourd'hui l'élargir à un contrôle des sociétés internes et externes aux entreprises, des usagers comme des travailleurs, des syndicalistes et des politiques, pour mettre à nu ce qu'est la politique des firmes multinationales, ce qu'est la fiscalité qui pèse sur eux, etc. Mais aussi un contrôle des fonds qui seraient les fonds proposés, par exemple, dans la campagne mise en avant par les camarades anticapitalistes pour une taxe COVID-19, un contrôle de l'usage de ces fonds, avec derrière quelque chose qui doit aller bien au-delà d'une logique keynésienne et de redistribution des richesses, hein, mais qui doit mettre en cause fondamentalement la substance du capitalisme d'une façon concrète. Et d'une façon concrète, c'est quoi? C'est d'une part de mettre, alors j'utilise quand même des concepts de la valeur ajoutée ou la valeur d'usage, bon, la socialisation de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le contrôle sur, en quelque sorte, les productions réalisées sur donc les profits aussi, pour derrière poser la question de quelles sont les priorités pour répondre aux enjeux majeurs sociaux et environnementaux de la crise mondiale. Hein, avec la prise de conscience de ce qui compte, comme dit l'affiche du CADTM, pour une fois, il faut que ce qui compte soit pris en compte, c'est-à-dire non seulement la santé, la satisfaction de besoins alimentaires et d'une dignité dans le travail, mais aussi donc le statut, donc derrière la dignité, le statut des êtres humains, les rapports des êtres humains entre eux, avec les dimensions de classe, de genre et de race, c'est-à-dire antiracistes, féministes et anticapitalistes en substance, donc sur qui décide derrière les, y compris les budgets, derrière les fonds COVID, derrière la production, qui décide des priorités et comment c'est financé, avec le problème donc majeur d'une critique radicale d'un système bancaire qui a été, comme le CADTM l'a très bien mis en évidence, sauvé, qui n'a absolument pas utilisé ce sauvetage pour financer l'économie. Donc la critique concrète de ce que sont les comportements bancaires privés,
au profit d'une logique de socialisation du système bancaire, de socialisation des banques et de remise sous contrôle public, y compris des banques centrales, contrairement à la logique des traités européens et du statut de la Banque centrale européenne. Alors, je termine donc. Quoi produire ? Et derrière, quoi produire ? Quel droit pour tous et toutes ? Et c'est à la fois anti-néolibéral et aussi anti-raciste et contre les inégalités de genre pour tous et pour toutes et contre les réponses pseudo-antisystémiques, xénophobes. Bon. Donc derrière cela, les rapports humains, les rapports à la nature, avec la priorité du contrôle des valeurs d'usage, c'est-à-dire du caractère concret de quelle technique, quelle énergie on utilise, mais aussi de quelles sont les valeurs d'usage qu'on produit et de l'organisation de la production, de son financement et de ses finalités. C'est une substance anticapitaliste dans une logique qu'on appelle, dans notre jargon, une logique transitoire, c'est-à-dire qui part du concret de ce que vivent les populations, d'objectifs et de revendications concrètes qu'on peut adresser, y compris aux institutions existantes, mais pour mettre en évidence, y compris leur incapacité d'y répondre, et ne pas se soumettre, comme c'est la logique de la campagne sur une taxe Covid, on peut s'adresser au Conseil européen, mais on ne se subordonne pas à une acceptation par le Conseil européen de ce qu'on propose, et on essaye d'avancer vers ce que l'on voudrait avec les moyens qu'on a par des forces indépendantes, alternatives, qui ne respectent ni les frontières, ni les limites des institutions telles qu'elles sont. Voilà, je m'arrête là. Merci Catherine, merci aux deux du coup. Là, il nous reste environ 40 minutes pour discuter un peu. Donc, je ne sais pas si dans la salle, il y aurait des questions ou des remarques ou des apportations, non. Et sur Zoom, Béa ? Non, pas pour l'instant. Alors, moi, j'avais noté un ou deux trucs quand même. Cela dit, bon, vous avez fait deux interventions extrêmement complètes, donc juste prendre une chose, ça, c'est un peu compliqué. C'est très intéressant parce que d'un côté, vous donnez un peu quelles sont les perspectives actuelles de la part des pouvoirs économiques, quelle stratégie ils essaient en tâtonnant de mettre en place. Ou pas, enfin, comment ils essaient de gérer ça, et en même temps quelles perspectives sont quelles perspectives de lutte très concrètes là actuellement sur lesquelles, enfin, quelles sont les perspectives sur lesquelles on peut se construire. Y a un aspect plus largement, enfin, vous l'avez un peu développé, mais j'aimerais bien insister là-dessus, sur la conception globale, bon, la crise du capitalisme, les multidimensionnels, etc. Là, il y a une crise qui est très, très profonde. Bon, c'est comme moi, j'ai grandi dans une génération militante où à chaque fois, c'est la plus grande crise du capitalisme que je vis à chaque fois depuis 12 ans. Et c'est néanmoins, c'est vrai, par ailleurs. Et donc, il y a dans l'imaginaire un peu collectif général, souvent une idée de, c'est un peu similaire à la question aussi écologique, de blocage, tout s'effondre, on perd tout, etc. Ou c'est la débâcle. C'est aussi parce que souvent, dans les médias, c'est transmis un peu comme ça. Par contre, on sait que c'est pas comme ça exactement que ça se passe. Que les effets sont très inégaux et que ce qu'on nous transmet, c'est souvent la sensation de
perte de richesse d'une certaine élite. Mais donc, j'aimerais bien aussi un peu que vous parliez un peu plus sur notamment les capitaux financiers ou le capital en général, comment ils risquent de surfer sur la pandémie, en particulier, enfin, vous avez un peu parlé, hein, le secteur pharmaceutique, etc. Mais au-delà, il y a aussi, j'ai un peu vu que récemment, qu'il y avait certains fonds d'investissement qui commençaient aussi à. Bon, il y a beaucoup d'argent injecté, mais ils commençaient déjà à parier à la baisse sur un certain nombre d'actifs parce qu'ils voient que ça ne suffira quand même pas. Donc, il y a toute une série de mesures qui sont mises en place au niveau monétaire qui sont censées éviter que tout s'effondre. Mais il y a déjà aussi toute une série de stratégies pour en profiter, pour spéculer dessus. Et ça pourrait peut-être aussi être lié à ton intervention sur la question de la dette, probablement, Eric. Mais ce n'est pas juste une question destinée à Eric, évidemment. Donc, si Catherine a aussi des trucs à apporter là-dessus, ça nous intéresse. Je pense que c'est un peu l'idée de creuser un peu différentes solutions du capital à la crise. Donc, notamment, une, ce serait celle-ci, peut-être. Aussi, vous avez parlé de crise commerciale, etc. Comment ça s'imbrique un peu, tout ça, au niveau des différentes solutions. Et peut-être que d'ici là, il y aura peut-être d'autres questions du public ou de nos potes sur Zoom. Voilà. Il y a Chris qui est. Ah, et à Chris, on peut déjà te donner la parole. Mais il faut que tu. Parce que sinon, Catherine, elle ne t'entend pas. Oui, Eric, tu peux un peu plus expliquer la différentes possibilités d'intervention d'un État dans l'économie. Par exemple, entre un Macron qui donne des avantages fiscaux aux entreprises et qu'on appelle une intervention de l'État dans l'économie, jusqu'à un plan d'investissement d'un État à travers ses propres entreprises publiques nationales pour créer des emplois et pour relancer l'économie. Donc, c'est quand même un énorme écart entre les deux. Et donc, je crois que nous, en tant de gens de gauche, on peut plutôt soutenir la façon chinoise, une intervention de l'État pour créer de l'emploi et pour gérer, planifier de l'économie, je suppose, non? Moi, je vais en profiter aussi pour poser une petite question. J'ai pas pu suivre malheureusement la première partie, donc désolé si je pose des questions qui ont déjà été traitées. Non, donc le capitalisme donc traverse une crise sévère depuis plusieurs années déjà, donc qui a été aggravée par la question de la Covid-19. Moi, c'est vrai que la grande question que je me pose, c'est comment on peut espérer que cette crise nous bénéficie et quel peut être l'élément déclencheur ou les éléments déclencheurs qui pourraient nous profiter quoi, à l'ensemble de la population. Et j'ai l'impression qu'au niveau économique, c'est pas forcément de là que va venir la solution, puisque en tout cas, pour une part significative de la population, et en tout cas en France, là où j'étais au moment du confinement, il y a eu, on va dire pour les classes sociales qui n'étaient pas trop précarisées, ce sentiment de dire, bon voilà, la Covid-19, c'est aussi positif, parce qu'en fait, voilà, tout ralentit, il y a une série de secteurs qui sont fermés, nous on est certes enfermés à la maison, mais en même temps, on peut en profiter pour avoir un meilleur cadre de vie. Donc, bien sûr, je dis que ça ne concerne pas toute la population, mais il y a aussi une part significative de la population qui l'a ressenti comme ça. Et dès qu'on a été déconfiné, en fait, tout est reparti. Et finalement, les espoirs, les espérances qu'il y a eu
pour un nouveau monde, ou en tout cas tenter de construire un nouveau monde, ont très vite été déchus. En tout cas, c'est l'impression que j'ai l'impression que là, on est reparti dans le train-train quotidien, avec une expression particulière du métro boulot-dodo. Donc, encore une fois, je parle en tant que Français qui vit à Paris. Là, on a le couvre-feu maintenant, 21h, 6h, etc. Et donc, quel peut être l'élément ou les éléments déclencheurs? Et je me demandais notamment, par rapport à cette crise du capitalisme qui s'exprime en particulier aux États-Unis, est-ce que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, d'un point de vue social, et donc j'en parlais encore avec un camarade cette semaine qui craignent réellement une guerre civile aujourd'hui et qui bien sûr est liée d'une certaine manière à la crise du capitalisme, comment est-ce que des éléments, des phénomènes comme cela, et en particulier aux États-Unis, qui est quand même une forme de modèle, alors bien sûr auquel nous, on ne va pas se référer, mais qui est un modèle pour une majorité, je ne sais pas, mais pour une part importante de la population, quel type d'éléments déclencheurs comme ça peut nous faire sortir, pas forcément de la crise du capitalisme, mais du capitalisme tout court? Est-ce que c'est ce genre d'événement qui peut nous amener à sortir de ce système? Ok, donc je vous laisse répondre. Je ne sais pas si Eric, tu veux répondre en premier? Oui. Et puis après Catherine, qui me voit là, oui, dans la caméra. Si tu veux après intervenir aussi. Oui, donc sur les solutions et en lien avec les interrogations qui ont été exprimées, et peut-être partant de la question de crise qui disait quelles sont les différentes possibilités d'intervention des pouvoirs publics ou d'un État. Et oui, je pense que là, c'est effectivement les pouvoirs publics, un gouvernement, sous la pression, le contrôle des citoyens, ou des classes populaires, qui doit prendre une série de mesures fortes. Et là, ça, Catherine en a déjà parlé, c'est socialisation du secteur bancaire, et nous on rajoute des assurances, de manière à recréer, on va dire, quelque part un cercle vertueux entre ce que devraient faire des intermédiaires financiers comme des banques et les besoins de la société, avec un enracinement très important dans le local et dans la relocalisation de toute une série de productions et dans la promotion des circuits les plus courts possibles. Et donc, dégonfler complètement le secteur bancaire qui est monstrueusement développé. On va dire que 95% des activités bancaires n'ont rien à voir avec l'économie utile à la société ou même l'économie réelle, et ont fortement à voir avec des mouvements de titres financiers, des spéculations sur des titres financiers ou sur d'autres biens, etc. Donc, l'intervention d'un État qui dit halte là à cette succession d'aventures bancaires qui mènent soit à des catastrophes, soit au bord de catastrophes, et qui amènent les banques centrales à les sauver ou les pouvoirs publics à les sauver, à les laisser faire pour ne pas qu'elles tombent en faillite. L'idée de trop grande que pour faire faillite, et donc de dire ben là on met un coup d'arrêt et on exproprie les grands actionnaires des banques. On peut indemniser les petits porteurs d'actions des banques, n'y a pas de souci, ils représentent d'ailleurs peu de choses, et on redimensionne complètement le secteur bancaire
en lien avec les besoins de la société. Socialisation du secteur de l'énergie. Évidemment, on a par exemple un débat aujourd'hui en Belgique sur est-ce qu'on peut ou pas fermer les centrales nucléaires. Et parce que le secteur de l'énergie en Belgique, comme dans la plupart des pays, est aux mains du privé, ben, le privé qui contrôle par exemple le secteur nucléaire ne réinvestit pas suffisamment dans les autres formes d'énergie de manière à avoir un prétexte pour qu'on ne ferme pas les centrales nucléaires, avec la menace de si on ferme les centrales nucléaires, eh bien, comme on n'a pas assez de production alternative d'énergie, on va devenir dépendant de l'étranger pour importer de l'électricité, et donc vous imaginez ce que ça peut donner. Ça, c'est le discours du lobby nucléaire, par exemple. Et ben là, il faudrait que les pouvoirs publics prennent le contrôle totalement de tout le secteur de l'énergie et le réorientent, ferment les centrales nucléaires et développent et investissent à fond dans les énergies renouvelables. Évidemment, ferment tout ce qui est centrale thermique avec combustible fossile, bien sûr, c'est évident. Quand je dis socialisation du secteur de l'énergie, ça ne veut pas dire nécessairement d'énormes outils de production énergétique. Hein. On a démontré maintenant qu'on peut relocaliser aussi très fortement la production d'énergie avec des sources d'énergie renouvelables et largement le mettre sous contrôle des collectivités locales. Bon, je n'entre pas dans les détails de ça. Dans les actions à mener, toujours, quand disait Chris, les différentes possibilités d'intervention d'un État, mais c'est le secteur de la santé qui est largement... les secteurs rentables sont du côté du privé. Le public doit assurer toute une série de services et est en concurrence avec le privé. Donc, il faudrait un vrai service national de santé comme ça avait été mis en place après la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne et qui a fonctionné très bien et qui a été progressivement mis à mal, détricoté par Thatcher et ceux qui ont suivi, y compris les travaillistes Tony Blair et Gordon Brown. Donc ça, c'est des actions possibles des pouvoirs publics. Oui, création... Enfin, adoption de lois sur la réduction généralisée du temps de travail et des embauches compensatoires avec maintien de salaire, ça c'est un gouvernement peut édicter une telle loi. Un gouvernement peut aussi créer toute une série d'emplois publics décents et utiles pour la société. D'ailleurs, j'ai oublié dans la liste des politiques keynésiennes, et sous Roosevelt, il y a eu création de grands programmes d'emploi public, et on a tendance à ne pas savoir ça. Roosevelt a fait replanter des millions d'arbres. Il y avait un programme vert sous Roosevelt, parce qu'il y avait un début de désertification dans certains États. Et donc, on a reboisé des États-Unis avec un très grand programme de création d'emplois. Dans le logement aussi, et a fortiori aujourd'hui, la nécessité d'avoir des logements qui sont beaucoup mieux isolés et beaucoup mieux équipés pour la qualité de vie des classes populaires qui habitent dans les logements, il y a un travail énorme à accomplir, des centaines de milliers ou des millions d'emplois à créer dans des tas de qualifications, dans des tas de professions, de vitriers, plombiers, électriciens, charpentiers, maçons, et
et avec l'utilisation de matières compatibles avec l'environnement, etc. Bon. Donc, on voit des tas de choses qui seraient nécessaires et possibles si on avait un gouvernement qui avait la volonté de ne pas laisser au marché et à l'initiative privée des grands actionnaires les décisions. Tout ça, pour moi, est compatible avec la petite initiative privée hein, et avec plein de petites entreprises privées, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le secteur des services. Il ne s'agit pas de réétatiser ou d'étatiser une économie, il s'agit de socialiser et de soutenir énormément de petites initiatives privées, et notamment dans le domaine de l'agriculture, pour avoir une agriculture avec des méthodes organiques et en circuit court, et donc abandonner les monocultures qu'on a, y compris en Belgique, dans des régions entières qui appauvrissent la biodiversité avec des effets terribles qu'on peut mesurer, constater, etc. Les solutions, ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Je ne donne que quelques pistes. Et alors, Mas disait, et quelles sont les solutions apportées par le capitalisme? Bon, là, ce serait trop long si je développais ça, mais... Par exemple, là, je recommande la lecture du dernier livre de Daniel Tanuro, j'ai oublié son titre, quoi, « Trop tard pour être pessimiste », quelque chose comme ça, comme titre, là où il analyse comment le capitalisme essaye de répondre à la crise écologique. Et donc, le fameux capitalisme vert, le greenwashing et tout ça, et les limites terribles de cela. Pas dans l'immédiat pour les capitalistes qui vivent du capitalisme vert, mais comme solution au problème de l'humanité et à la crise écologique, les solutions apportées par le capitalisme sont des solutions aujourd'hui qui renforcent tous les aspects les pires du capitalisme, c'est-à-dire l'exercice de l'autorité, la réduction des espaces démocratiques, des espaces de liberté, la précarisation, l'atomisation des travailleurs, l'endettement des classes populaires, la dégradation du cadre de vie. Ça, ce sont les solutions apportées par le capitalisme. Et quelque part, à la différence, il y a une différence par rapport à ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, donc la pré-Seconde Guerre mondiale en Europe jusqu'aux années 70, c'est-à-dire, pour se relier à ce que Catherine a dit, comme il y avait un rapport de force plutôt favorable aux classes populaires, classes populaires qui avaient joué un rôle clé pour se débarrasser du nazisme et du fascisme en Europe et qui sentaient sa force et qui exigeaient que le capital réduise ses prétentions et fasse des concessions, il y a eu des concessions qui ont été faites pendant les années 40, 50, 60, 70. Et le capitalisme lui-même a mis en place une sorte de capitalisme social, du pacte social, du dialogue, etc., qui a fonctionné pendant 30, 40 ans. Le capitalisme aujourd'hui n'a absolument pas, on va dire les gouvernements capitalistes, les grandes entreprises capitalistes, n'ont absolument pas ça en tête. Pour eux, c'est un cauchemar, la perspective de revenir à ce qu'ils ont dû concéder aux classes populaires après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils veulent là, appliquer ce que, et ils l'appliquent, ce que Naomi Klein dit, c'est la thérapie du choc. La thérapie du choc, ça n'empêche pas qu'on puisse distribuer quelques aides. Hein. Et de nouveau, j'ai parlé du nazisme et de la société sous Hitler ou du fascisme ou de Franco. Les régimes fascistes ou nazis
distribuer aussi des aides aux populations. Donc il ne faut pas se dire que les aides aux populations sont complètement contradictoires avec le capitalisme. On peut avoir un capitalisme autoritaire, extrêmement brutal, mais distribuant des aides sociales. Parce que les aides sociales, ça n'a rien à voir, ou des primes, ça n'a rien à voir avec le salaire réel, comme dirait Bernard Friot et tout ce qui démontre sur ce que c'est le rapport salarial, d'une certaine manière, qui est une conquête, un droit à un travail décent, à un contrat de travail décent, etc. Ce qui est un cauchemar pour le capitalisme et qu'il s'empresse de détricoter depuis maintenant 40 ans et qu'il se dit, le capitalisme, il y a bien un esprit général du capitalisme, il y a des entreprises qui sont en concurrence entre elles et des gouvernements capitalistes qui sont en concurrence contre d'autres pouvoirs ou avec d'autres puissances capitalistes, mais ils ont une même orientation, une même inclination. Et l'inclination aujourd'hui n'est pas à des concessions à l'égard des classes populaires, mais au contraire à, si vous voulez, un peu, pour reprendre l'image de Rome, un peu de jeu et un peu de distribution d'aide aux plus pauvres, pour maintenir y compris les circuits qui fonctionnent de consommation, etc. Mais essentiellement, des attaques structurelles par rapport aux travailleurs, à une travailleuse qui a des droits, droit à la sécurité sociale, droit à certains types de contrats, droit à protection par rapport au danger de perte de l'emploi, droit à toute une série d'allocations, droit à des services publics de qualité, mais tout ça est clairement font partie, la remise en cause de tout ça font partie des solutions apportées par le capitalisme où les grands actionnaires, ou les sociétés, ou les entreprises capitalistes et les gouvernements à leur service à la crise actuelle. Bon, je voulais parler de la nouvelle crise de la dette, mais je m'aperçois que le temps court. Oui, le temps court. Alors, il nous reste 10 minutes. Il y a une activité demain là-dessus, donc ce sera pour demain. Tout à fait. Donc, aussi, Catherine, si tu voudrais intervenir, ça sera probablement la dernière intervention, par ailleurs, parce qu'il est 17h20. Je regarde toujours l'écran, mais il faut que je regarde la caméra. Donc, tu peux y aller si tu veux. Bon, alors, écoutez, bon, Eric a dit sur la question de l'État, l'essentiel, donc je vais me concentrer sur deux points. En ce qui concerne les questions qui ont été posées sur la crise capitaliste, et puis comment espérer autre chose, quoi. Donc sur la crise capitaliste, je voulais signaler un débat qui ne va pas se clarifier et se conclure ici dans cette séance et qui est en cours, qui est un débat qui était aussi en cours avant la Covid entre marxistes sur comment dire, l'analyse des grandes phases de l'histoire capitaliste et de celle dans laquelle on se situe et au sein de laquelle 2008 a survenu. Donc il y a un certain nombre d'auteurs qui soulignaient notamment, que ce soit Michel Husson ou d'autres, enfin, la tendance à une stagnation séculaire du capitalisme. Donc un des éléments de l'analyse, c'était la réduction du taux de profit, le ralentissement de la productivité, qui est un problème évidemment qui pèse aussi sur le profit. Mais bon, moi, ce que je voudrais simplement dire d'une part là-dessus, c'est que je pense que le niveau absolu de profit, d'une part, n'est pas scientifiquement en quelque sorte déterminé pour pouvoir dire à partir de quand le capitalisme tomberait en crise. Le vrai problème, c'est quand il est interrompu sur le plan sociopolitique et économique,
dans son processus même de fonctionnement, quand ceux d'en haut, comme disait Lénine, ne sont plus en mesure, dans une crise, ne sont plus en mesure de gouverner, et ceux d'en bas, au sens large, n'acceptent plus les règles dominantes. Bon. Et ça, ce n'est pas purement et simplement une question de niveau absolu de profit, première remarque. L'enjeu politique et organisé, j'y reviendrai donc à la fin, est fondamental. Deuxième remarque, là vous pouvez vous, je ne peux pas le développer non plus, vous pouvez vous rabattre aussi sur des articles, notamment donc de François Chesnais que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi d'ailleurs de Cédric Durand et de bien d'autres, sur la question du capital financier, et de la distinction à l'intérieur du fonctionnement historique, classique du capitalisme, entre les financements, y compris par anticipation sur de futurs profits. Le capitalisme fonctionne en dynamique, et il y a toujours nécessairement, quand il y a financement d'un investissement ou d'entreprise par les banques, quelque chose qui est anticipé, mais qui est donc incertain. Mais cette incertitude-là, disons classique et normale, se transforme en une autonomie de la sphère financière et une déconnexion provisoirement durable entre la sphère financière et la sphère dite réelle ou l'économie productive et les échanges, avec le développement de ce qui a été appelé le capital fictif, c'est-à-dire effectivement d'un capital qui circule entre lui-même. Sur les marchés, donc je sais pas si je suppose que dans le public du CADTM il y a tout de même une connaissance un petit peu des notions d'économie, mais en tout cas donc vous savez qu'il y a un marché primaire et un marché secondaire. Le marché primaire des actions, des obligations, qui est celui qui finance, qui apporte du financement aux entreprises. Et puis le marché secondaire qui est l'essentiel des transactions en fait. Qui ne finance plus l'économie et qui est un marché largement et hautement spéculatif et qui joue sur les variations de taux d'intérêt, sur les anticipations, sur les modifications de prix, sur les bulles différentes, etc., etc. Et là, il y a une immensité de capital fictif qui s'est accumulée. Et grâce effectivement, y compris à ce qu'on a évoqué dans la discussion, aussi bien Eric que moi-même, sur l'ampleur des soutiens de l'économie et des banques privées directement d'ailleurs, hein, par les banques centrales, eh bien, il y a une immensité effectivement de capital financier largement déconnecté de financement réel qui circule et qui anticipe sur des plus-values potentielles. Seulement, ces plus-values potentielles ne sont que provisoirement déconnectées de l'économie réelle. Il y a derrière des forces de rappel qui joueront et qui joueront un jour ou l'autre. Alors d'une part, il y a le fait que il y a avec la crise une baisse au niveau mondial de la production et une montée du chômage qui fait que, comme le souligne aussi Chesnais dans son article, le montant global de la plus-value réellement produite, même s'il y a des pressions d'augmentation du taux de plus-value, de l'exploitation des travailleurs, mais le montant global se réduit, hein, d'autant plus que les niveaux de productivité se ralentissent. Bon, donc ça, c'est une première contrainte qui, sur le moyen terme, pèse. Et puis, au niveau concret, au niveau de la sphère financière, tout ce que, y compris, a été analysé par des tas d'articles, dont ceux d'Éric, d'ailleurs, sur... la crise financière de 2008 non résolue, et ATTAC en France a produit aussi toute une série de livres sur ce sujet, hein, continue à menacer. Et au niveau européen, de façon concrète, il y a eu toute une série de procédures, et au niveau international d'ailleurs, qui étaient supposées essayer de rendre plus cohérent le système financier et bancaire européen, de rendre plus solides les banques dites systémiques, c'est-à-dire celles qui sont too big to fail, comme on dit, trop grosses pour s'effondrer, ou too big to jail, ou trop grosses pour aller en prison.
mais celle qui touche à toute une série d'activités bien au-delà donc, de la gestion des dépôts des ménages et qui sont hautement spéculatives. Et donc, la volonté de les contrôler du point de vue des mesures de précaution, y compris sur leur fonds, etc., a échoué, fondamentalement a échoué. C'est-à-dire il y a eu, comme avant la crise de 2008, contournement des critères et des ratios prudentiels, comme on les appelle, et pas du tout de séparation comme ça avait été envisagé à l'intérieur des grandes banques systémiques entre ce qui est la gestion des dépôts des clients et puis toutes les activités spéculatives, etc., plus multiplication d'externalisation, c'est-à-dire de création de filiales de ces banques, non contrôlées en fait, échappant au contrôle des institutions financières, etc. Bon, donc la crise, du point de vue des déclenchements et de ce qui pèse pour l'avenir, il y a d'une part l'ampleur du chômage, des inégalités sociales qui touchent les travailleurs au sens large et susceptibles d'explosion avec des scénarios qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, mais qui joueront. Deuxièmement, des crises et des effondrements financiers. Et même s'il y a une intervention majeure des banques centrales, il y a un effet de chaîne qui peut se produire. Alors là, je voudrais soulever donc une discussion, je ne peux pas le développer, je n'ai pas le temps, mais donc que David Harvey a notamment développé, c'est-à-dire la peur d'un effondrement du capitalisme, vu d'un point de vue d'un anticapitaliste, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, mais d'un effondrement qui provoque un désastre pour tout le monde, quoi, au niveau financier, etc. Alors, bon, par rapport à ça, je pense que c'est très important, d'une part, de maximiser partout dans l'économie, à l'échelle locale, nationale, européenne, internationale, des circuits d'organisation alternative de la société qui échappent au contrôle des banques centrales et aux relations marchandes classiques, avec y compris des monnaies fiscales là où on peut le faire, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, ça avait été pour la Grèce et autres envisagé, des monnaies solidaires, etc. Bon, donc, qui permettent d'être dans le concret des valeurs d'usage et des valeurs produites qui échappent à l'effondrement de l'hydre financière. Bon, ça, c'est un élément extrêmement important à souligner. Et je termine sur quoi espérer. Je pense que je ne veux pas faire de pronostic optimiste, pessimiste, mais souligner tout de même, en tout cas, ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale, notamment une prise de conscience d'une très grande faiblesse du mouvement altermondialiste et de résistance après la phase de montée des années de la deuxième moitié des années 90 et du début des années 2000, donc crise des forums sociaux mondiaux et européens, et puis aussi débat stratégique non surmonté entre ceux qui revenaient à une vision étatiste, si vous voulez, s'appuyant sur Chavez et autres, donc d'une alternative à rechercher, et puis ceux qui, au contraire, se basaient sur une vision horizontale, sans poser le problème du pouvoir, sans poser le problème politique, sans poser le problème du changement des institutions, donc d'une révolution avec tout le processus constitutionnel qui met en avant d'autres droits. Bon, donc ce débat entre verticaliste, si on veut, étatiste et horizontaliste, il commence à être dépassé parce que les deux variantes sont en crise. Mais cela veut dire qu'il y a un processus de discussion à l'intérieur du mouvement altermondialiste pour essayer de relancer. Et je pense que le besoin d'une nouvelle internationale, comme Samir Amin l'avait dit avant de mourir, et moi je suis membre de la 4e internationale, qui est certainement convaincue qu'il faut arriver à ce que les outils qui existent, y compris pour les petites internationales et les petits partis, les associations qui existent, soient des outils pour se dépasser, pour construire quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire à un niveau de masse. Créer des rapports de force anticapitalistes. Et ça, je pense que pouvoir mettre à l'intérieur du mouvement altermondialiste les mouvements qui sont nés
de la résistance pour une justice environnementale, les populations indigènes d'Amérique latine et du sud global contre les firmes multinationales et les dommages écologiques, toutes les populations de femmes, de jeunes et de populations plus âgées qui se révoltent contre la précarisation et les inégalités, c'est des points d'appui fondamentaux avec la classe ouvrière au sens large, organisée et syndiquée pour qu'on pèse effectivement. Et donc, c'est à ça qu'il faut s'atteler, au travers notamment des enjeux concrets de la santé, comme l'a dit Eric, mais aussi des problèmes financiers de la dette et de la défense globalement, je dirais, des communs et de la démocratie économique dans les grands choix et les rapports humains. Voilà, j'arrêterai là. Très bien. Merci beaucoup Catherine et merci beaucoup Eric. Bon, on a dépassé un peu le temps, vite fait. Donc, je vous propose qu'on arrête là. De toute façon, on pourra continuer à en discuter un peu dehors ou devant le bâtiment. Et donc, merci d'être venu. Merci de vous être connecté sur Zoom. Et sachez, bon, vous savez, ça continue demain à partir de 10h moins le quart. Oui. Et à la suite de cette activité, maintenant, il y a la réunion de groupe thématique militant du CATM. Donc, on vous encourage aussi à rester. On va un peu discuter de manière de s'impliquer ici localement. Enfin, localement ici à Bruxelles, là où vous soyez, et sur les questions, les différentes thématiques qu'on travaille au niveau du CATM. Et donc, cette réunion, elle aura lieu à la salle lumière au 4e étage de 18 à 19 heures. Donc voilà. Merci.